Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous informer de la mise en ligne de ma formation complète Résistance anti-âge. Cette formation a pour but de vous apprendre de façon agréable et pratique toutes les techniques et routines à appliquer chaque jour pour contrer les effets du vieillissement, mais surtout pour éviter les facteurs qui l'accélèrent ou qui le déclenchent en produisant ce qu'on appelle un coup de vieux, titre d'une de mes précédentes vidéos YouTube. Aujourd'hui, non seulement je mets à votre disposition le programme complet, mais je le complète par des masterclass dans lesquelles, telle une leçon particulière, je vous explique tout ce que vous avez à savoir sur un sujet particulier, tout ce que vous pouvez faire. Et bien sûr, si vous êtes motivé et persévérant, car il faut apprendre avant de faire. En effet, je vous conseille de vous inscrire à ma formation uniquement si vous êtes vraiment décidé à prendre votre santé en main. Au niveau de la santé, et sans vouloir faire de moralisme, le dilettantisme, le laxisme n'ont pas de place, car la nature est exigeante et impitoyable si on brave les règles qui, depuis des centaines de milliers d'années, ont permis à nos ancêtres de survivre, de se multiplier, de résister aux changements climatiques, aux guerres, aux famines, aux épidémies dévastatrices et aux agents toxiques véhiculés par les plantes, les animaux et autres d'origine naturelle. Notre époque moderne a bouleversé les équilibres fragiles, patiemment acquis entre l'espèce humaine et la nature, avec l'apparition de facteurs jusqu'alors inconnus. La pollution de l'air, du sol, de l'eau, la pollution électromagnétique, le surmenage physique, la surcharge mentale, les accidents de la circulation, du sport, les mauvaises postures liées au travail, postées ou répétitives, créant de toutes pièces de nouvelles maladies dites de civilisation. Devons-nous accepter de manger des aliments de qualité médiocre, pollués par des molécules chimiques? Devons-nous encaisser les stress que notre société crée de toutes pièces, le bruit, les champs électromagnétiques? Accepter les rythmes perturbateurs de l'équilibre veille-sommeil, ce sommeil réparateur qui permet de recharger les batteries? De ne pas tenir compte des règles élémentaires de l'ergonomie qui étudie, dépiste et dénonce les positions et habitudes de travail nocives, mais pas seulement, qui nuisent à notre santé et accélèrent l'usure de notre corps? Ces non-respects de ces règles ergonomiques accélèrent à tous les niveaux de nos corps l'usure, et en particulier au niveau de nos articulations, générant une usure prématurée, rapide, des cartilages articulaires et disques vertébraux, qu'on appelle arthrose, mais aussi de nos artères, de nos veines, de nos nerfs, pour ne citer que les principaux. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis un praticien de santé, kinésithérapeute de base, ostéopathe, posturologue, diplômé en phytoaromathérapie, en naturopathie, diplômé en Angleterre et en Allemagne, et en énergétique chinoise, sans compter les autres formations continues qualifiantes. Actuellement, à bientôt 80 ans, je me partage entre mes consultations en cabinet, où je pratique des bilans ostéoposturaux et assure le suivi de mes patients, et mon activité d'auteur d'ouvrages sur la santé naturelle. Et, bien sûr, comme vous le savez, la réalisation de vidéos d'information et de formation pour le grand public et les professionnels relevant de mon champ de compétences. Le temps passant, voyant mes patients vieillir et me voyant vieillir moi-même, j'ai réalisé que la chose la plus importante pour un être humain était de vieillir en bonne santé, dans le meilleur état de santé possible. Si je devais résumer ma philosophie par une formule, eh bien, mon but c'est de vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état de santé possible. Si vous partagez mes valeurs, alors ma formation Les 12 clés de la résistance anti-âge est faite pour vous. Comme vous pouvez le constater dans mes vidéos d'info santé sur ma chaîne YouTube, je m'efforce toujours de me faire comprendre par tout le monde, quel que soit le niveau d'étude, respectant en cela le conseil en or d'un ami qui m'a mis les pieds à l'étrier
pour l'écriture de mon premier livre, Martin Gray. En effet, il m'a conseillé pour la rédaction de mon premier livre, L'ostéopathie, Demain pour vous guérir, publié aux éditions d'Angle dans les années 1990. Et depuis, bien, je m'efforce d'utiliser un langage facile à comprendre pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner un aperçu des 12 modules qui constituent le menu de ma formation résistance anti-âge. Alors, dans le premier module, qui est une introduction, je vous apprends pourquoi il faut entrer en résistance contre les effets destructeurs de l'âge et les facteurs évitables du vieillissement grâce à la valorisation de vos forces vitales de régénération. D'accord ? Je vais vous apprendre aussi la puissance des synergies naturelles. Retenez bien le terme, les synergies naturelles, qui ne laissent rien au hasard, car elles traitent toutes les causes du vieillissement en même temps. Je vais vous apprendre aussi à mieux connaître votre terrain. Et je vais vous apprendre les exercices fondamentaux que j'apprends à tous mes patients et dont les effets positifs sont étonnants et surtout extrêmement rapides. Dans le module 2, je vous explique mon programme flash de gym anti-âge, même si vous ne pratiquez aucun sport. Donc, à l'issue de ce module 2, vous aurez fait le point de votre situation actuelle grâce à un questionnaire santé commenté. Vous saurez tester vos capacités physiques. Vous connaîtrez le programme de base simple et efficace. Vous connaîtrez mon programme personnel, un des secrets de ma forme. Vous aurez le détail du programme d'entretien physique suivi par ma mère Hélène, qui l'a suivi jusqu'à 103 ans, ce qui lui a permis, comme je vous l'ai déjà dit, de rester en forme et autonome, totalement autonome, jusqu'à son dernier jour, ce qui faisait l'admiration de son voisinage. Dans le module 3, je vous parle de quelque chose qui est absolument capital, l'alimentation anti-âge et anti-inflammatoire. Il faut que vous sachiez au moins les bases de ce qu'est l'alimentation anti-âge, mais aussi les aliments qui créent l'inflammation chronique silencieuse, ce mal sournois et destructeur de nos tissus qui créent les maladies dégénératives. Vous saurez ainsi choisir le meilleur régime alimentaire correspondant à votre terrain et à vos possibilités pour à la fois lutter contre l'inflammation chronique, les douleurs et le surpoids, ce fléau aux conséquences sous-estimées, qui n'est que la conséquence de la conjonction d'une malbouffe, de la sédentarité et du stress, toutes causes confondues. Dans le module 4, je vous explique tout ce que vous avez à savoir sur le stress, ce facteur négligé du vieillissement précoce et des maladies évitables. Vous saurez donc tout ce qu'est le stress exactement, son utilité, parce que le stress est nécessaire à notre survie, mais aussi sa nocivité lorsque son intensité ou sa durée dépasse nos capacités d'adaptation. Vous pourrez ainsi prendre conscience qu'il existe, en plus des causes connues, des causes méconnues, sournoises, mais non moins dangereuses. Ce sont celles qui nous rongent de l'intérieur, qui accélèrent le vieillissement des tissus nobles, les organes, les cartilages, les fascias, les muscles, les muqueuses, le système nerveux, vasculaire et bien sûr notre cerveau. Vous apprendrez ainsi à pratiquer les techniques que j'apprends à tous mes patients et que je pratique moi-même chaque jour. Donc en fait, je vous donne tous les conseils que je donne en cabinet. Dans le module 5, je vous apprends les techniques pour ralentir le vieillissement de vos articulations. Il faut dire stop à l'arthrose. D'abord, il faut savoir ce que c'est que l'arthrose. C'est un ennemi sournois qui ne se révèle souvent, et écoutez-moi bien, qu'à un stade avancé, c'est-à-dire au moment où il devient invalidant. Et il peut y avoir des dizaines d'années que ça évolue, sans qu'on vous ait dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors qu'il faut agir précocement si on veut empêcher le vieillissement de s'installer. C'est comme pour la voiture. Hein, si vous n'entretenez pas un bon gonflage de vos pneus, et si vous prenez l'autoroute, en un millier de kilomètres, vous avez usé la gomme. Et vous serez obligé de changer le pneu la seule
différent, c'est que nous, on ne peut pas changer les cartilages, on est obligé de mettre une prothèse. Donc, il faut éviter l'usure, notamment en rétablissant les équilibres mécaniques, ce qu'on appelle la posturologie et l'ostéopathie. Dans ce module, je vous apprends à réveiller ce sixième sens endormi qu'on appelle la proprioceptivité, qui est fondamentale pour la reprise en main d'une posture correcte, condition essentielle d'une bonne résistance anti-âge. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un domaine passionnant. Vous aurez ainsi tous les conseils nécessaires pour décharger vos cartilages, améliorer vos performances et votre équilibre postural. Vous saurez donc mettre en place une synergie anti-arthrose. Vous aurez un aperçu de mon programme personnel, celui qui me permet de rester au top, actif professionnellement et d'avoir pu rebondir après un aléa de santé sérieux à un âge où beaucoup baissent les bras. Alors, dans le module 6, je vais un petit peu plus loin et je vous apprends la posture et l'ostéopathie qui sont, selon moi, des clés absolument essentielles de la lutte contre le vieillissement. Vous saurez pourquoi la posturologie complète et optimise les soins d'ostéopathie en permettant la stabilisation des résultats au long cours. J'ai découvert la posturologie parce que j'avais une insatisfaction quand je voyais mes patients qui rechutaient. Vous saurez tout sur les capteurs de la posture, c'est-à-dire les détecteurs de la posture sur lesquels vous pouvez agir vous-même. Et vous allez prendre conscience de leur importance, surtout de l'importance du dépistage et de leur entretien. Vous aurez intégré dans votre cerveau que c'est à vous de prendre soin de votre posture, au jour le jour, en plus de la révision entretien périodique chez votre praticien ostéopathe posturologue. Dans le module 8, je vous dis tout ce que vous avez à savoir sur les plantes et huiles essentielles anti-âge, antidolore et anti-inflammatoire. Je vous fais partager ma passion pour les plantes anti-âge, antidouleurs, anti-inflammatoires, régénérantes, que vous pouvez utiliser sans risque. Les plantes médicinales non toxiques, les plantes aromatiques et leurs huiles essentielles, essences et baumes, les macérats glycérinés. Vous saurez l'essentiel sur les meilleures plantes adaptogènes, celles qu'on trouve ici chez nous. Ces plantes qui réduisent le stress aussi bien physique que psychique et agissent en synergie pour diminuer les douleurs psychosomatiques et réguler certaines fonctions métaboliques. Vous apprendrez aussi à utiliser les synergies gémothérapiques. Ces bourgeons de plantes, ces tissus en voie de croissance des plantes s'utilisent contre les dysfonctions liées à l'âge, les douleurs chroniques, inflammatoires et spasmodiques. Dans le module 8, comment conserver un cerveau au top? Eh bien, je vais essayer de vous faire comprendre l'importance capitale du cerveau dans le maintien de la santé, la maîtrise du stress, la posture, le fonctionnement automatique des organes, l'équilibre sympathique et vague en particulier. Vous aurez un récapitulatif de l'alimentation optimale du cerveau et l'importance de micronutriments essentiels. Vous aurez appris à quoi servent ces molécules chimiques qu'on appelle les neuromédiateurs qui équilibrent et stimulent le cerveau, et ceci grâce à l'alimentation, les compléments alimentaires et plantes remarquables. Dans le module 9, je vais vous apprendre comment ralentir le vieillissement de la peau. J'essaie de vous faire comprendre l'importance capitale des agents du stress, aussi bien internes qu'environnementaux, sur le vieillissement de votre épiderme. Vous saurez aussi pourquoi l'hydratation et la nutrition sont essentielles dans la lutte anti-âge, et en particulier au niveau du visage et des mains. Vous aurez appris des gestes simples et super efficaces qui activent la microcirculation cutanée. Vous aurez appris les gestes simples et super efficaces qui activent la microcirculation cutanée, clé de la santé des cellules des trois couches de votre enveloppe charnelle. Vous connaîtrez les produits naturels les plus performants à utiliser et saurez lire les étiquettes des produits que vous achèterez pour vos soins quotidiens. Autant savoir ce qu'on se met sur la peau. Dans le module 10, je vous parle de votre système digestif et de son rôle dans la lutte anti-âge. Vous aurez ainsi compris l'importance de ce système sur la santé générale, le stress et le vieillissement. Vous saurez l'essentiel
sur le fonctionnement des organes et viscères qui le constituent et comment les entretenir, éviter leur vieillissement. Vous aurez aussi appris l'essentiel sur le microbiote et l'importance de lutter contre la ptose, la descente des organes, et surtout ce que vous pouvez faire vous-même, quand et pourquoi vous devez faire appel à un praticien, notamment pour des soins d'ostéopathie viscérale. Dans le module 11, je vous apprends comment contrer le vieillissement respiratoire et le blocage du diaphragme. Vous aurez compris l'importance capitale de conserver un système respiratoire dans le meilleur état de santé possible pour alimenter en oxygène vos cellules et permettre une alimentation optimale. Vous aurez une vision précise du rôle du nez, des voies respiratoires, des poumons, du diaphragme dans la régulation de ce système vital. Vous aurez aussi appris toutes les techniques à utiliser vous-même pour oxygéner vos tissus, votre cerveau, votre cœur, votre système nerveux et l'ensemble de vos organes. Dans le dernier module, comment préserver votre cœur et vos vaisseaux des agents du vieillissement, vous aurez compris l'importance vitale du cœur et des vaisseaux qui, en relation avec les poumons, approvisionnent vos cellules en oxygène et éliminent les déchets du métabolisme. Vous aurez une connaissance de base sur le fonctionnement de ce système, si performant et en même temps si fragile, si sensible au stress, et comment le protéger par les techniques naturelles, la santé durable et intégrative. Vous aurez appris les techniques de base que vous pouvez utiliser vous-même complémentairement aux soins dispensés par votre médecin. En apprenant les bonnes techniques naturelles préventives à intégrer dans votre programme de vie, vous saurez résister aux causes évitables de ce stress chronique qui pompe votre énergie, à cette usure articulaire anormale qui s'appelle l'arthrose, à cette inflammation chronique silencieuse qui endommage, abîme vos tendons, vos muscles faciaux, qui ronge vos cartilages et les os qui les nourrissent. À l'issue de cette formation, vous aurez intégré les bonnes pratiques, les bonnes habitudes, les bons réflexes pour prévenir les rechutes de ces petits problèmes légers en apparence, mais qui, en l'absence de prévention active, évoluent doucement mais sûrement vers l'aggravation. Vous aurez ainsi acquis les bases d'un véritable programme de santé durable pour les restes de votre vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction et de présentation de mon pack des 12 clés de résilience anti-âge. J'espère que ça vous a intéressé. Alors si vous êtes motivé, ben, inscrivez-vous. Si vous savez déjà tout, ben, continuez à suivre les principes que j'ai donnés parce que beaucoup de personnes connaissent déjà les principes. Ma formation est destinée à celles et ceux qui ont besoin d'en savoir plus et qui veulent prendre leur santé en main. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur ma chaîne YouTube ou une formation. Prenez soin de vous.